Que faire de tous les déchets du jardin au moment de la récolte ? Vos poules en raffolent, mais elles ont aussi besoin de céréales tout en étant bien soignées. Surtout si elles sont devenues des poules pondeuses. Les gens qui ont acheté des poussins au mois de février, là, à cette période-ci, les poules sont prêtes à pondre normalement. Si elles ont eu une alimentation bien équilibrée, un environnement propice à la ponte et pour éviter que la poule soit en stress, là, c'est la bonne période. Tout ce qui est déchets de légumes, même des fruits, vous pouvez les donner à vos poules pour éviter de les jeter et en même temps enrichir l'alimentation de vos poules. Une alimentation variée, donc vos déchets de cuisine, donc tout ce qui est légumes, les végétaux, les déchets de jardin, et après en complément l'alimentation en graines que nous proposons en magasin, donc soit des mélanges ou des céréales simples. La poule, elle aime bien trier l'alimentation, donc vous avez des céréales simples, des mélanges de céréales qu'on appelle des céréales mixtes, et puis après vous avez de l'aliment en extrudé qu'on appelle du granulé, où vous avez un stimulant pour ponte qui va aider à récolter plus d'œufs. Et après aussi, vous pouvez donner de l'écaille d'huître en complément de la nourriture. L'écaille d'huître, elle a deux fonctions. La fonction pour la coquille d'œuf, qui va renforcer la coquille d'œuf, c'est du calcium. Et puis aussi, savoir une fonction pour la digestion de ce que la poule va ingérer. Avec les fortes chaleurs, il ne faut pas oublier l'eau de boisson pour les poules. Donc on propose en magasin des abreuvoirs, des mangeoires, des kits entre guillemets complets qu'on peut mettre dans le poulailler, et ne pas oublier aussi l'herbe prairie, prairie basse-cour, que les poules vont consommer. Ça va faire office de nourriture en plus de ce qu'on va donner. Il faut que la poule puisse avoir un pondoir en hauteur. Une poule ne supporte pas être au sol déjà la nuit. Et puis pour pondre, c'est naturel chez eux, ils vont mettre en sécurité leur ponte. Donc aménager dans le poulailler un pondoir en hauteur. Une poule, elle peut faire un œuf par jour si elle est bien nourrie. Si vous avez 4 poules, vous faites vite le calcul. Vous pouvez nourrir votre famille sans faire de déchets.